enregistrer la formation, comme ça on démarre tout de suite. Donc du coup, on va aborder des nouvelles façons de communiquer, aussi bien sur le recrutement que sur les produits. Il y a des choses que je vais vous expliquer. Après, libre à vous de le mettre en place ou non. C'est vraiment vous qui décidez. En tout cas, c'est des nouveaux outils. C'est d'ailleurs un nouveau outil que eTwork nous propose. Donc voilà, on est libre de l'utiliser ou non. Et ensuite, je vous parlerai stratégie produit que moi, je mets en place et qui fonctionne très, très bien et qui me permet de valider des BV. Je vous rappelle que BV égale monnaie. Donc, plus vous avez de BV, plus vous gagnez de l'argent. Je pense qu'on est tous là pour ça. Dites-moi un petit peu quel est votre objectif en termes de BV avant le dernier jour du mois. Dites-moi si c'est 300 BV qui vous manquent pour valider une position, pour revalider ou pour atteindre tout simplement votre objectif. J'ai envie de voir un petit peu les objectifs que vous avez. 3800, 300, 300, 300, 300. Ok, très bien. Mais écoutez, avec ce que je vais vous expliquer, vous allez largement pouvoir les faire. Après, voilà, il faut bien entendu le faire. Tout ça ne va pas payer dès demain. Mais en tout cas, ça ne pourra que vous aider si vous le faites sérieusement. Donc, c'est parti. Je vais déjà commencer par le nouvel outil que eTwork a mis en place dans le but vraiment de nous aider au niveau de notre recrutement pour faire connaissance avec nos prospects. Je vais vous demander une petite question. Le 2 avril, on a reçu un mail pour justement nous expliquer cet outil. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, ou pas du tout? Moi, je l'ai reçu, mais il était dans mes indésirables. Je sais que tout le monde ne l'a pas reçu, ce mail, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même utiliser ce que je vais vous dire. Enfin, voilà, je vais vous expliquer du coup une nouveauté, donc vous avez bien fait de vous connecter. Donc, je vais vous montrer le mail très rapidement, comme ça, vous allez voir en quoi il consiste. Alors, tac, voilà, le mail, c'était ça. Je tourne ma caméra. Voilà, le mail, c'était ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voici une nouvelle façon de trouver des prospects. Est-ce que vous l'avez eu, ce mail, ou pas? D'accord. Bon, rassurez-vous, hein, même si vous ne l'avez pas eu, ce n'est pas très grave. Vous allez pouvoir utiliser exactement ce que je vais vous dire de la même façon. Donc, en fait, tout simplement, eTwork, ils nous ont mis une nouvelle façon de nous aider à faire connaissance avec nos prospects. Et en fait, vous allez avoir un lien à votre nom et prénom directement utilisable. Donc, je vais vous expliquer, avant de vous montrer en fait le lien, en quoi ça consiste, etc., je vais vous expliquer en fait ce qu'il va falloir absolument faire avant de l'utiliser. Parce qu'il y a une petite procédure à faire, sinon ça ne sera pas... ça ne sera pas top, ok? Donc, tout simplement, en fait, alors, je vais juste reprendre mes notes pour ne pas oublier. Donc, vous allez avoir un lien unique à votre nom et prénom. Et en fait, quand vous allez cliquer sur ce lien, il va y avoir un questionnaire que vos prospects pourront remplir pour que vous puissiez en savoir plus sur eux, d'accord? Donc, je vais vous montrer, en fait, avant de le faire, il va falloir remplir des petites choses sur l'e-suite pour tout simplement, en fait, bah, donner encore plus d'intérêt à ce questionnaire pour que vous puissiez vous présenter, qui vous êtes, etc. Ça va embellir le questionnaire et ça donnera encore plus envie d'y répondre. Donc, on va aller directement sur l'e-suite. Donc, j'ai une gentille fille de mon équipe qui s'appelle Victoria qui a bien voulu me donner son e-suite en français parce que moi, le mien est en anglais. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous allez pouvoir remplir des petites choses dessus. Donc, en fait, quand vous arrivez sur votre e-suite, donc bien entendu, si vous n'avez pas pris l'abonnement des 23 euros, vous ne pourrez pas aller dessus, mais sinon, si vous l'avez, vous allez pouvoir aller dans l'onglet réglages. Je répondrai à toutes les questions après, parce que si je commence à répondre entre-temps, ça va me faire perdre le fil et je vais rabâcher, ça ne sert à rien. Donc, du coup, je vais aller dans réglages. Voilà. Et en fait, là, je ne sais pas si vous avez déjà été dans réglages, d'ailleurs. Pourquoi c'est aussi long? Voilà. Là, vous allez en fait avoir des petits liens sur le côté. Il va falloir aller dans site web. Donc, notez bien réglages site web. Voilà. Bon, je pense que la connexion est un peu longue parce que monsieur regarde le foot. Et là, en fait, tout simplement, vous allez aller... Donc là, à la base, vous avez le lien de votre boutique en ligne qui commence par votre nom de famille suivi de votre prénom. Mais ça, si vous avez envie de le changer, vous pouvez. Moi, je ne vous conseille pas de le changer tous les 4 matins parce que si vous avez donné votre boutique à une cliente, bah, il suffit qu'après vous modifiez, elle peut atterrir sur l'autre boutique de quelqu'un d'autre. Donc là, vous avez votre pseudo qui est dans le lien. Donc ça, c'est votre boutique en ligne normale, d'accord? Et en fait, quand vous allez dans les réglages, vous allez pouvoir ajouter une photo de vous, d'accord? Qui apparaîtra et sur votre boutique en ligne et sur le questionnaire, ok? Et ensuite, vous allez pouvoir en fait raconter ici, par exemple, votre histoire. Pourquoi, qui vous êtes, etc. Et en descendant, vous allez pouvoir en fait encore remplir certaines autres choses. Donc là, vous avez le lien de votre questionnaire qui est là. Donc c'est le nom de famille suivi de votre prénom, point starting fluencing, non, startinfluencing.com. J'ai un accent anglais très très nul. Donc bref, en tout cas, votre lien est ici, d'accord? Donc nom de famille suivi de votre prénom, startinfluencing, je sais pas quoi, .com.
OK? Donc, du coup, en fait, quand vous avez votre lien, là, vous allez pouvoir remplir encore d'autres choses. Donc, on vous dit, hein, accueil vos clients potentiels. Donc là, vous allez pouvoir faire une petite description courte de vous, de pourquoi vous vous êtes lancé, de voilà, plein de petites choses comme ça. Pareil, là, vous allez pouvoir rapporter d'autres petites choses. À chaque fois, vous êtes limité. Donc là, il y a 150 caractères. Là, il y en a 3000. Donc, si vous n'avez pas fini ici, vous pouvez compléter ici. Et là, en fait, vous pouvez remercier aussi vos potentiels distributeurs qui ont rempli le formulaire. D'accord ? Là, c'est le remerciement. Là, vous pouvez très bien vous expliquer pourquoi vous vous êtes lancé, l'impact que ça a eu sur votre vie, plein de trucs. D'accord ? Donc, imaginons, moi, je mets ici... bon, Victoria, on supprimera plus tard, mais je peux mettre, par exemple, je m'appelle Victoria. Mon chien... s'appelle Poppy. Voilà. Imaginons, je mets ça. Ça, il ne faut pas mettre des conneries. Hein. Mais sinon, ça, vous allez le retrouver sur le questionnaire. Donc, je fais juste un texte pour que vous puissiez voir. D'accord ? Donc, une fois que ça, c'est bon, on s'en fiche que le chien s'appelle Poppy à la base pour le questionnaire, mais c'est juste pour vous montrer. Je sauvegarde. Donc, tac, c'est fait. OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, je vais aller sur le lien de Victoria. Donc, on a dit, on va ouvrir une nouvelle page. Hop. On a dit, c'est victoria.startinfluencing. Je crois que c'est comme ça. .com. Non, c'est pas comme ça. Alors, je vais faire directement. Qu'est-ce que j'ai écrit de mal ? Donc, il faut bien taper exactement. Mais je crois que j'ai inversé les noms de son nom de famille. Bon, je vais mettre moi le mien comme ça. Hop. Vous tapez bien votre lien. Mais vu que je suis nulle en anglais, je fais des erreurs. Puis moi, je ne sais pas retenir un lien de tête. OK, donc là. OK, donc là, on va arriver, du coup, ça va charger et on va arriver sur votre fameux questionnaire. Donc là, il y a moi, d'accord, mais sinon, il y aurait eu la tête de Victoria. Vous allez pouvoir ici, et vos prospects aussi, programmer en français, d'accord. Donc là, vous avez tous les trucs ouverts. Nous, on va se mettre en Europe français, comme ça, on est tranquille. Et voilà, en fait, vous allez pouvoir ils vont pouvoir remplir le formulaire pour faire connaissance. Donc, ils vont remplir leur prénom, leur nom de famille, leur nom sur Facebook, leur nom sur Instagram. Si jamais ils n'ont pas Facebook, ils n'ont que Instagram, ce n'est pas grave. Hein. Ils vont remplir leur adresse mail, leur numéro de téléphone, leur pays. Et là, en fait, voilà, il y a tout simplement parler de vos objectifs. Donc là, en fait, il y a plusieurs propositions. Est-ce qu'elles souhaitent un complément de revenus ? Est-ce que ces objectifs personnels permettent d'obtenir des résultats ? Je souhaite élargir mon cercle de connaissances. Voilà, vous avez différentes questions à chaque fois. Quelle est votre activité ? Donc là, en fait, elle travaille à temps plein, elle travaille à temps partiel, elle est étudiante, elle est parent au foyer. Ensuite, qui vous intéresse dans le fait de pouvoir influencer les gens ? Bref, en fait, il y a plein de petites questions comme ça auxquelles il faut que le prospect répond. Donc, c'est top parce que vraiment, même il y a des questions, est-ce que vous êtes prêt à investir pour vous lancer ? Ça permet de savoir si la distributrice, elle est potentiellement intéressée pour se lancer avec des produits. Sur quelle plateforme elle veut développer l'activité, vraiment plein de petites choses comme ça. Et là, il faut qu'elle coche comme quoi, non, les questions, ce n'est pas moi qui les choisis, elles sont directement mises sur le formulaire. Je répondrai aux questions après, du coup. Donc, il faut bien qu'elle coche comme quoi elle a plus de 18 ans et qu'elle souhaite recevoir les nouvelles d'Itwork si jamais il y a une promotion, etc. OK ? Donc, voilà. Donc, ça, vous avez vu. OK. Donc, je vais juste reprendre les petites notes que je me suis mises. Donc, du coup, ça permet de quoi ? Ça permet déjà, dans un premier temps, de connaître les prospects plus en profondeur. Vraiment savoir pourquoi ils vous contactent, pourquoi ils veulent faire ce genre d'activité. Et surtout, ça vous permet à vous d'adapter une communication derrière. Quand vous les avez au téléphone, bah, vu que vous avez eu les réponses à leurs questions, ça permet vraiment de savoir sur quel point vous allez pouvoir appuyer pour vraiment les motiver davantage, sur quel élément vous allez pouvoir vous appuyer. Allez, maman, ah bah trop bien, vous l'êtes aussi. Bah, du coup, vous le savez déjà à l'avance, ça vous permet de mettre en avant tous les avantages quand on est maman et qu'on travaille à la maison. Donc, ça permet vraiment de les motiver. En plus de ça, ça permet de comprendre que vous avez bien fait attention à elles et que vous adaptez votre communication en fonction de ce qu'elle recherche, elle. Si elle vous dit qu'elle veut juste un complément de salaire, bah, ça va être différent qu'une personne qui veut vraiment en faire un plan de carrière. On est bien d'accord.
Donc, ce qui est super bien en plus, c'est vraiment trop trop bien, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir aussi, dès qu'en fait le prospect va valider le questionnaire, dès qu'il va être validé, vous allez recevoir une notification sur Connect et il sera aussi ajouté sur votre Connect. Donc ça c'est top parce que vous allez avoir en fait tous vos prospects Connect qui vont s'y ajouter automatiquement. Quand vous allez faire vos relances, bah, ils vont pouvoir être directement ajoutés vu qu'il y aura l'adresse mail et le numéro de téléphone. D'accord? Donc moi j'ai fait le test tout à l'heure, je me suis inscrite moi-même et en fait bah, ça m'a reçu, j'ai reçu une notification directe et j'ai aussi reçu, j'ai été chercher dans mes prospects et j'ai bien vu mon potentiel distributeur. Okay? Et ce qui est trop bien aussi encore, c'est qu'en fait quand vous allez dans votre e-suite, dans l'onglet rapport, vous avez un petit onglet qui s'appelle lead. Donc je ne sais pas, il faudra regarder. Je vais regarder. Sur cette e-suite là en français, comment ça s'appelle. Et sur votre e-suite, il est aussi répertorié. Donc ça, c'est vraiment hyper bien parce que vous l'avez et sur votre Connect et sur votre e-suite. Donc vous allez dans Rapport pour le voir. Et alors, attendez, je regarde en français ce que ça donne comme mot. Hop. Ah bah, il y a marqué Avance. En fait, quand vous allez dans votre rapport ici, ça sera là. D'accord, avance en français. Et quand vous allez cliquer dedans, vous aurez toutes les personnes qui ont rempli votre formulaire. Là, en l'occurrence, il n'y a personne, mais sinon, vous les retrouverez directement ici. Voilà. OK? Donc voilà pour le petit nouvel outil. Donc franchement, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'en fait, bah, le lien, vous allez pouvoir l'envoyer. Moi, personnellement, ce que je vais faire, parce que je suis en train de le peaufiner, etc. Mais en fait, avant d'appeler mon prospect, ce que je vais faire, c'est que par exemple, si je sais que je l'appelle à 14h, avant de l'appeler, je vais lui envoyer le questionnaire à remplir. Comme ça, avant de l'avoir au téléphone, j'ai fait plein de choses sur lui. D'accord? Donc avant un appel, ça peut être top de l'envoyer. Par exemple, si vous fixez un appel demain à 14h, bah, vous l'envoyez dans la soirée. Comme ça, vous lui dites, bah voilà, pour valider l'appel, j'ai besoin que tu remplisses le formulaire. Et hop, ça répond à des petites questions, etc. OK? Donc ça, c'est top. Vous pouvez en faire un post aussi, un post avec le lien. Après, il faut voir si Facebook accepte le lien. Je pense que oui. Peut-être qu'il acceptera plus par la suite. Mais du coup, c'est top parce que vous pouvez en faire un post. Vous pouvez aussi le mettre dans votre biographie Instagram, par exemple. Ça peut être top aussi. Et voilà, vous pouvez en l'utiliser. Vous pouvez l'envoyer un message privé. Par exemple, dès qu'une personne elle est intéressée, elle veut réfléchir, bim, vous pouvez lui envoyer, etc. Je vais répondre aux questions. Alors, je rappelle, le lien, c'est en fonction de votre boutique en ligne. Si c'est votre nom suivi de votre prénom, ça reste comme ça. Et c'est startinfluencing.com. Pour retrouver votre lien, vous allez dans Réglages, site web, vous descendez un petit peu et il listera votre lien. D'accord? Donc voilà. Et du coup, bah, il est personnalisé à chaque distributeur, bien entendu. Donc, je remonte hyper rapidement parce que j'ai vu que la question a été posée plusieurs fois. Donc, je vais dans Réglages, site web, je descends et mon lien, il est en dessous. Voilà. Bon, je vais supprimer Poppy, hein. Victoria, je te laisserai faire. Hop, voilà. Donc, au début, votre pseudo ou votre nom, prénom suivi de startinfluencing.com. Vous faites répéter, hein. OK. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cet outil ou pas? On passe à la suite. Alors, je regarde. J'en ai vu une question d'ailleurs. Même si tu n'as pas reçu le mail, Linda, tu peux quand même, hein, si tu me suis, tu l'as. Même si vous n'avez pas reçu le mail, vous tapez votre nom suivi votre prénom point startinginfluencing.com et vous allez voir que vous allez avoir un formulaire. En fait, au final, comme dit Laurine, la différence avec l'application Mealtcheck, en fait, tu peux personnaliser tes questions, tu peux mettre plus de choses, etc. Mais là, c'est vrai que Eatworks l'a fait et du coup, c'est à l'effigie de notre société. Donc, je trouve ça cool. Voilà, exactement, Pauline, c'est l'envoyer du coup à nos prospects pour qu'on fasse connaissance, en fait, tout simplement. Oui, il y aura un replay. OK. Bon, je pense que c'est bon. Si jamais vraiment, n'hésitez pas à aller dessus, à cafouiller un petit peu, à regarder ce qui s'y trouve, et c'est en faisant qu'on apprend. Donc voilà, n'hésitez pas. Et comme je vous ai dit, dès qu'il y a quelqu'un qui a rempli le formulaire, si elle arrête. Si elle arrête de remplir le formulaire, bah voilà, vous n'allez pas recevoir ni la notification, vous ne le retrouverez pas dans Connect et vous ne retrouverez pas dans Advent. Donc voilà.
Ok? Donc, on va passer à la suite du coup. Donc là, ça va être différent. Je vais maintenant vous parler d'une autre stratégie, mais cette fois-ci sur les produits. D'accord? Alors, je vais prendre mes notes encore une fois. Donc, moi, je sais que personnellement, ce que je vais vous expliquer là, je n'utilise pas tout le mois, tout le temps, etc. Je vais en faire des flashs. Flash promo, flash info, flash pour mes clients, flash pour mes clients qui sont déjà clients, flash pour mes prospects, etc. Donc, en fait, tout simplement, je vais vous mettre des slides. Donc, vous allez pouvoir faire des captures d'écran, mais restez bien concentrés sur ce que je vais vous dire parce qu'au début, vous allez peut-être rien comprendre. Mais à force, vous allez comprendre. De toute façon, je vais vous faire une petite explication. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais des fois, j'ai l'impression que je ne suis pas claire. Alors, hop. Alors, bougez pas. Je vais sélectionner les slides que j'ai besoin. Voilà. OK. Est-ce que vous voyez tous le slide, s'il vous plaît? Si vous pouvez me le confirmer dans le chat. OK, bon, c'est parfait. Bon, moi, je ne me vois plus, mais ce n'est pas grave. Donc, en fait, je voulais vous parler tout simplement de l'offre Pick2Pick 3. Ça fait pas mal de temps maintenant qu'on l'a en place sur notre boutique en ligne, mais on ne va pas tout le temps dire renouvellement, et ça a été prolongé, et ça a été prolongé, et ça a été prolongé. C'est peut-être petit, mais si vous pouvez zoomer sur votre téléphone. De toute façon, je ferai passer le slide à vos leaders s'ils ont besoin. Donc, du coup, moi, tant que j'ai les notes sous les yeux, c'est parfait. Donc, du coup, en fait, on ne peut pas dire tout le temps, et ça a été prolongé, et ça a été prolongé. Attention, hein, c'est la dernière fois qu'on peut. Et non, finalement, non. On n'est pas là pour prendre les gens pour des débiles, même si ça va peut-être s'arrêter du jour au lendemain. Et quand on dira, attention, c'est le dernier moment pour en profiter, ça sera peut-être le dernier moment. Mais il ne faut pas parler tout le temps de la même chose. Et surtout, offre Pick 2, Pick 3, les gens, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. D'accord? Donc, ce n'est pas parlant pour eux. Par contre, vous allez pouvoir en fait mettre des petites choses en place pour tout simplement leur donner envie de commander. Donc, déjà, cette offre-là, je vais vous faire des petits rappels si vous ne savez pas, vous êtes débutant. Vous avez tout simplement une offre en place sur votre boutique en ligne qui permet d'avoir des réductions en prenant deux ou trois produits selon une liste imposée sur notre boutique en ligne. Pour savoir la liste, vous allez sur votre boutique, vous allez en choisir en deux ou trois, et vous allez tomber sur les produits qui font partie de cette offre. Tous les produits ne seront pas concernés. Par exemple, le Hair Skinace et le Super Green ne font pas partie de cette offre. Okay? Donc, du coup, au niveau des tarifs, ça fait deux produits pour 70 euros hors taxes et hors frais de port, ou trois produits pour 90 euros hors taxes et hors frais de port. N'allez pas dire que vous avez deux produits pour 70 euros, parce qu'au final, quand elle ajoute les produits avec les taxes et les frais de port, ça lui fait plus de 70 euros. D'accord? Donc voilà, donc c'est une offre qui est connue maintenant. Elle revient souvent et elle dure souvent plusieurs semaines. D'ailleurs, elle est valable jusqu'au 1er mai. Donc voilà, elle va vraiment durer encore tout le mois. Mais il faut vraiment savoir communiquer différemment de temps en temps dessus. D'accord? Donc voilà, comme je vous ai dit, allez dans la catégorie chez les saisons 2 ou 3 sur votre boutique en ligne et tout le monde n'est pas dans l'offre. Une personne qui devient CF, client VIP, avec l'offre peut la garder dans son panier et en profiter même si l'offre se termine. D'accord? On peut en profiter sur plusieurs mois. Et par contre, pour que la cliente puisse en bénéficier, il faut absolument qu'elle utilise le code Save Now. Bizarrement, je parlais beaucoup en anglais. Donc voilà, il faut absolument utiliser ce code promo-là, sinon la cliente ne peut pas y avoir accès. Okay? Donc voilà. Donc du coup, vous allez pouvoir vraiment créer des duos, des trios différents et leur donner des titres spéciaux. Vous allez pouvoir par exemple créer un duo spécial perte de poids en couple, spécial perte de poids entre copines. Vous allez pouvoir vraiment créer des petits trios, des petits duos comme ça en y mettant des titres spéciaux qui donnent envie. D'accord? Donc là, ce qu'il va falloir faire absolument pour bien comprendre ce que je vais vous dire, c'est qu'il va falloir faire des comparaisons de tarifs entre le tarif au détail. Et le tarif VIP. Sinon, vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous expliquer. Il y a des exemples dans le slide, donc ne vous inquiétez pas. Mais sinon, pour bien comprendre, et on aura besoin du tarif au détail de chaque produit et du tarif VIP avec l'offre P2P 3. Parce qu'en fait, quand on fait ça, on se rend compte que du coup, en mettant au panier un produit, ben, tout simplement, en fait, on a pratiquement. Enfin, ça fait comme si que le deuxième nous était offert. D'accord? Ou alors même que le deuxième nous revient à 1 euro. Donc, du coup, j'ai des gentilles filles de mon équipe qui ont fait ce slide-là et qui ont fait des comparaisons. Donc, regardez bien ce qui va se produire. Là, par exemple, elles nous ont mis des trios ou des duos. D'accord? Donc, là, par exemple, il y a le trio sculptant. Donc, il y a marqué comme quoi, donc là, il y en a pour 114 euros au lieu de 290 euros, ce qui correspond tout simplement au Defining Gel offert plus une réduction de moins 25% sur le paquet de 300 euros modulo. Je vais vous faire l'autre qui est plus simple pour comprendre. 90 euros les deux produits au lieu de 191 euros, soit le paquet de 300 euros modelants offerts. Pour éviter de vous perdre, je vais vous montrer sur la boutique en ligne ce que ça donne. Parce que moi, je sais qu'au début, j'avais énormément de mal avec ça. Et bizarrement, maintenant que je l'ai mis en place,
que j'ai adapté la bonne communication, j'y arrive bien. Donc, il faut bien être opérationnel sur tous les tarifs, etc. pour comprendre. Donc, je vous montre. On va faire du coup avec l'offre qu'on a dit là, le duo. Alors. Ouais, non, mais Anaïs, c'est quand j'ai fait un live là-dessus, j'étais trop stressée. Je me suis dit, je vais mélanger les pinceaux. Alors, je vous montre. Comme ça, vous allez bien comprendre. En voyant, on comprend. Donc, je vais sur ma boutique en ligne, je vais sur la catégorie, je choisis saison 2 ou 3. Et là, je vais ajouter du coup les soins remodelants au panier, donc un paquet. Voilà. Vous me direz après si c'était du charabia ou si ça va. J'espère que ça va quand même. Hop. Et du coup, on va ajouter aussi le Defining Gel au panier. Jusque-là, on est d'accord, on a ajouté le duo qu'on retrouvait du coup dans le petit slide. Donc voilà. Donc là, vous allez bien regarder, on est bien d'accord que le paquet de 3 soins remodelants au détail, il est à 99 €. Et le Defining Gel au détail, il est à 92,40 €. Ce qui fait que quand on calcule 99 € plus 92 €, on est à 191 €. D'accord? Puisque là, j'espère que ça va. Quand on prend les deux prix au détail, quelqu'un qui n'est pas VIP et qui veut ces deux produits, les 3 soins et le Defining Gel, il y en a pour 191 €. D'accord? Sauf que si par exemple on enlève ce produit-là, on est à 92,40 €, ok, et qu'on ajoute le code Save Now là, hop, et ben en fait on va passer à un total de, j'ai mis un espace, hop, regardez bien, on passe à un total de 90 € à peu près. Donc au final, ça fait comme si que la cliente a payé juste son Defining Gel et qu'elle avait les 3 soins remodelants offerts. Est-ce que c'est clair ou pas? Dites-moi si c'est assez clair dans le chat. Je vous fais un autre exemple. Je vais retirer ça. Je vous mets un autre exemple encore plus simple à comprendre. On va faire sur le Keto Coffee et... Vous me rassurez, parce que des fois, j'ai l'impression que je ne sais pas parler. On va faire sur le Keto Coffee et maintenant, le thermofact. On ajoute un paquet de Keto Coffee au panier. Moi, je vais dire à ma cliente, pour un sachet de Keto Coffee acheté, à 80 €, tu as le thermofight offert. Regardez, on ajoute un paquet de Keto Coffee, du coup, qu'elle va payer. On va mettre le thermofight au panier. Et regardez ce qui se passe. Donc là, Keto Coffee ajouté, 80 €. Thermofight ajouté 69 €. À la base, elle en a pour 149 €. Donc là, je vais lui dire, si tu ajoutes un paquet de Keto Coffee pour 80 €, tu auras le Thermofight offert. Pourquoi? Parce que tout simplement, je mets le code promo et ça me fait 80 € à peu près. OK? Je répondrai aux questions juste après, encore une fois. Je vais vous remontrer des petits slides, du coup, de plein de petits duos que vous allez pouvoir faire ou de trios. Vous pouvez vous en amuser à en faire plein. Tac. Hop, voilà, je vous resélectionne rapidement les slides. Donc, on avait prenez bien en capture, mais de toute façon, je les ferai passer à vos leaders. Donc, on avait justement l'exemple qu'on a fait, Thermofight Keto Coffee. On a aussi Thermofight Cleanse, 80 € la détox, ce qui fait un mois de brûle de graisse offert. Et là, voilà, vous avez plein d'autres trios, perte de poids, vous avez des duos bien-être, des duos pause détente, trio bonne journée, trio beauté. Donc voilà, à chaque fois, on a mis en dessous à combien ça lui revient au lieu de. Et on met, bah, du coup, soit il y a une plus grosse réduction encore vu qu'il y a moins 50% sur le deuxième produit. Mais franchement, quand on voit ça, franchement, ça, c'est juste de la bombe. Donc voilà, exemple avec le, bah, du coup, duo beauté, duo visage, etc. Donc maintenant, dites-moi vraiment si c'est bien clair pour vous ce que je viens d'expliquer. Et après, on parlera. Ok. Génial. Bon, ça va. Je n'ai pas raconté du charabia. Très, très bien. C'est que pour les clients VIP. Hein. Ce n'est pas pour les clients en détail, cette offre-là. Hein. Les clients en détail, ils n'ont pas cette offre-là, Pic 2, Pic 3. D'accord? Donc, j'ai vu passer dans les commentaires, oui, mais ça rapporte moins de BV. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que moi, je ne le fais pas tout le temps. Cette offre-là, ça me permet de relancer des personnes qui voulaient commander
mais il y a eu un petit blocage. Et ce qui est trop bien aussi, c'est que ça me permet vraiment de faire passer des commandes à mes clients qui étaient déjà clients. En fait, par exemple, je dis à mes clientes, bah, pour un paquet de Keto Coffee à 80 euros, en ce moment, tu as le thermosite offert. Et du coup, bah, en fait, ça me rapporte des BV que j'aurais peut-être jamais eu parce que je n'aurais pas créé ces offres-là. Donc, je suis bien d'accord que certaines personnes, certaines équipes ne parlent plus des promos parce qu'il y en a trop, etc. On veut un maximum de BV, ce qui est logique. Mais ça peut être bien de faire des offres flash parce qu'il y a des personnes, des fois, elles veulent se lancer, mais il y a un petit couac, mais financièrement, ça ne passe pas. Et le fait d'avoir une offre comme ça, ça fait toujours plus de BV, d'accord? Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il vous manquait 300, 3000, etc., etc., BV. Donc, voilà, à un moment donné, ça peut vraiment vous aider. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire des duos ou même des trios, c'est encore mieux, parce que du coup, ça vous rapporte plus de points, ok? Mais c'est clair qu'il ne faut pas faire que ça non plus, parce que bah, si vous faites que ça, vous allez avoir des petits BV, donc des petites commissions sur vos ventes, ok? Donc voilà, si vous avez des questions, je suis preneuse. En fait, il faut prendre le prix remisé, le prix non remisé, voilà, et faire la différence avec le prix remisé. Là, du coup, ce que je dis, au niveau du tarif au détail, 80 euros au détail, après, soit vous comptez les frais de port en plus, soit vous ne les ajoutez pas. Mais en tout cas, à la fin, la cliente, elle paiera juste 80 euros. Alors, du coup, pareil, vous allez me dire peut-être, oui, mais moi, j'ai des clientes qui ont vu qu'ils pouvaient avoir Enfin, quand ils vont acheter les deux produits, ils vont se dire, bah, finalement, ce n'est pas gratuit. Si, si. En fait, moi, j'ai fait plein de fois le test pour voir comment mes clients réagissaient. Je leur dis, tu mets les deux produits au panier, tu vas voir qu'en fait, bah, tu vas payer le prix d'un. Et bizarrement, c'est ce qui se passe avec le code promo. D'accord? Donc, voilà. Oui, voilà, exactement, Marie-Laure. On peut faire des packs de 4 produits. C'est 2 piques 2, en fait. J'ai pas compris ta question, Géraldine. Moi, je donne toujours frais de port compris mes tarifs, comme ça, au moins, ça évite de dire à la cliente, moi, je suis le genre de personne, si tu me dis que j'en ai pour 100 euros et qu'au final, quand je mets ma carte, j'en ai pour 120 euros, je suis dégoûtée. Donc, je donne tout le temps les tarifs exacts, comme ça, au moins, j'ai pas de surprise derrière. OK, donc, n'hésitez pas à faire ça. N'hésitez pas à faire, si vous mettez 4 produits dans le panier, ça va vous faire 2 fois l'offre pique tout, d'accord? Et si vous mettez 6 produits dans le panier, ça vous fait 2 fois l'offre pick 3. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à faire des duos, des trios, n'hésitez pas à vous faire des tarifs. Moi, en fait, ce que je fais sur ma feuille, j'ai une feuille à côté de moi, comme ça, au moins, je me perds pas. Je mets, par exemple, le Defining Gel, 92 euros, les Wraps, 99 euros. J'en ai donc pour 191 euros à la base, mais avec le code promo, j'en ai juste pour 90 euros, ce qui fait que les Wraps sont offerts. Voilà, c'est comme ça que je procède, sinon je ne comprends rien. Quand j'ai vu ça au début, je me suis dit, mais je ne comprends rien, ça me faisait mal au crâne. Donc, je vais vous refaire passer les slides, comme ça, vous allez pouvoir bah, vous appuyer dessus et faire justement les simulations pour bien tout comprendre. Et après, comme je vous ai dit, bah, il faut vraiment l'utiliser en offre flash de temps en temps. Quand vous voyez, par exemple, que c'est un petit peu mou, que vous n'avez pas fait beaucoup de clients, que vous n'avez pas atteint vos objectifs en fin de mois, et bah, bim, ça peut vous permettre vraiment de rebondir et de faire des BV, alors que peut-être qu'il n'y aurait jamais des personnes qui auraient commandé sans cette offre-là. Moi, je sais qu'à chaque fois, il y a des clients qui me disent « Ah bah, ça tombe bien, j'attendais une offre. » Et là, franchement, ça tombe pile poil, donc je commande. D'accord ? Donc voilà, c'est plutôt top de faire comme ça. Mais toujours, toujours bien faire des duos, des trios. Des trios, c'est encore mieux parce qu'on rapporte beaucoup plus de points. OK ? Donc voilà pour ça. Bah, écoutez, en fait, au final, en une demi-heure, je vous ai parlé des deux choses que je voulais vous parler. J'ai une dernière petite chose à vous parler. Comme ça, au moins, vous saurez tout. Vous serez opérationnel et il vous restera du temps pour faire un maximum d'actions, tout déchirer en cette... En ce milieu du mois, on est qu'au milieu du mois. Je ne sais pas si vous avez vu, tout à l'heure, on a reçu un mail, on a reçu une notif sur Connect, comme quoi il y avait un nouveau kit pour les distributeurs. Alors attention, je sais qu'il y en a plein qui ont lu trop vite et qui se sont dit « Ah, trop bien, on a un nouveau kit de démarrage, etc. » C'est pas ça, d'accord? Je vous montre, si vous êtes curieux, vous avez été sur votre boutique en ligne et vous avez été voir ce qui se trame. Donc, on clique sur « Devenir un distributeur »,« M'inscrire ». Tac, voilà. Et là, en fait, tout simplement, il y a deux choses qui sont proposées. Toujours le même kit de démarrage, tout le temps, sauf qu'en fait, le distributeur, il peut cocher ici pour mettre en place une commande automatique mensuelle qui pourra annuler s'il le faut. Mais dans cette commande automatique, il y aura deux sacs de Keto Coffee et un flacon de Thermofight XX. Et au final, il va avoir 30 euros de remise sur sa commande automatique. Donc, la commande automatique, du coup, elle sera de 80 BV. Donc, c'est 99 euros hors taxe.
80 BV, ça ne sera pas facturé tout de suite. Bien entendu, ça sera traité que dans les 30 jours. Donc, deux sacs de Keto Coffee, donc ça fait 30 dosettes, et un sachet de Thermofight. Et du coup, il y avait marqué que le premier règlement de la commande automatique mensuelle sera effectué 30 jours après l'adhésion. Donc, la personne, elle peut changer la date, elle peut modifier le contenu. Par contre, si elle annule, elle n'aura plus jamais cette promotion-là. D'accord ? Donc, elle a la possibilité de modifier, d'annuler la commande automatique mensuelle à tout moment. Cependant, vous ne pourrez plus bénéficier de l'offre à tarif exclusif si vous la retirez. OK ? Donc, voilà. Donc, en fait, là, soit elle démarre l'activité toujours au même tarif, 110 euros, d'accord ? Mais elle met en plus de ça une commande automatique mensuelle et elle va avoir 30 euros de réduction sur sa commande. Ou alors, bah, elle démarre comme d'habitude à 110 euros et elle ne met aucune commande automatique en place. Je rappelle que la commande automatique, c'est vraiment top. Et en plus de ça, là, vraiment, vous avez ils ont une réduction de 30 euros. Donc, c'est pour les nouveaux distributeurs, OK ? Donc, voilà, ils ont juste soit appliqué là, ils reçoivent toujours le même type de démarrage, donc 15 dosettes de skinny, 15 dosettes de keto, un tube de gel pour les mains, bah, un mois offert à son e-suite, etc., etc. OK ? Donc, voilà, il n'y a pas de nouveau kit ou quoi que ce soit. C'est juste une offre de 30 euros de réduction mensuelle sur la commande automatique et ça revient à 99 euros hors taxe. Ça fera 80 BV et ça sera facturé 30 jours après son inscription. Est-ce qu'il y a des questions sur ça ? Dites-moi. Moi, ce que je vous conseille par rapport à la communication que je vous ai parlé tout à l'heure sur les produits, c'est de faire des packs spéciaux avec des titres, comme je vous l'ai dit, vous faites vos propres photos ou alors vous faites un live tout simplement dessus. Mais il faut vraiment que vous soyez opérationnel et que vous ayez pris des notes parce que sinon, vous allez complètement bafouiller. C'est écrit 102 euros la licence parce que c'est hors taxe et hors frais de port. Mais à la base, c'est 110 euros. Pour répondre à ta question, Eva, non, elle pourra toujours en bénéficier tant qu'elle ne supprime pas dans son panier l'offre. Par contre, si elle enlève un produit et qu'elle n'en laisse qu'un seul, bah après, c'est définitivement terminé. Elle pourra plus en profiter. À part si elle fait une commande spontanée, hein, d'accord ? Mais plus en commande automatique. OK, super. Franchement, j'étais grave vite. Hein. C'est grâce à vous, vous m'avez dit que j'étais très claire. J'ai eu peur au début, je me suis dit, mais comment je vais leur expliquer ça alors que moi-même, au début, j'avais du mal. Vous voyez que même si au début, on a du mal, c'est en prenant des notes, en faisant des simulations sur ma boutique, etc., que ça peut être top. Et effectivement, je vais vous poser une dernière question pour finir cette formation. Est-ce que quand on vous dit que c'est gratuit, est-ce que ça vous donne plus envie d'acheter ? Si on vous dit t'achètes un produit, t'en as un deuxième offert, et ça vous donne plus envie ? On va pas se mentir. Bah voilà. Donc du coup, ça vous donne un argument de plus. Ça vous permet de booster vos BV, de revalider des positions, d'en valider d'autres, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça et le replay sera disponible dès que Audrey l'aura mis en ligne et dès que votre leader vous l'enverra. Et moi, je vous fais passer les slides, comme ça vous avez plein de petits exemples. Donc voilà, mettez bien un jour sur votre e-suite les petits textes, comme ça vous avez quelque chose de top au niveau de votre questionnaire. Mettez bien votre communication en place, déchirez tout. Et je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de vous voir péter des positions encore et encore. On reste motivé. On n'est qu'au début de l'année, j'ai envie de dire. On n'est qu'au milieu du mois. Il y a plein de choses qui sont encore possibles. On ne baisse pas les bras. On est dans la meilleure société qui existe. Moi, en tout cas, de ce que je pense, ça a vraiment changé ma vie. Donc vraiment, vous êtes au bon endroit au bon moment. C'est à vous de tout déchirer. Vous avez les cartes entre les mains. Donc voilà, je vous fais des bisous. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao. Merci d'avoir été là.